Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes sur ce GLA W247, donc équipé de caméra 360, mais malheureusement dépourvu de l'option coffre électrique. Donc, nous allons rajouter cette option là. Donc on va changer tout ce qui est vérin, calculateur de gestion, et en même temps elle est dépourvue de rétroviseur rabattable. Donc c'est juste uniquement en manuel, donc on va aussi remplacer les rétros, le bouton intérieur également. Donc nous allons remplacer cette partie, cette platine, et tout ça dans les règles de l'art avec une installation 100% d'origine. Installation du haillon électrique terminé sur ce GLA. Donc, dans un premier temps, nous avons installé le bouton qui est là, qui vous permet de piloter à l'arrière, d'ouvrir, et de fermer le haillon électrique. Donc par exemple, si j'appuie, donc là vous avez l'ouverture du coffre. Voilà. Et si je ferme, donc toujours avec ce bouton là, l'ouverture et la fermeture. Donc pareil, idem ici. Donc là, si j'ouvre et je referme. Donc je répète, hein, ce sont des pièces 100% d'origine. Donc nous avons également installé les rétro rabattables. Hein. Donc là, si je coupe le contact, donc là, je vous ferme le véhicule. Donc, vous avez les rétro qui s'ouvrent et qui se ferment. N'hésitez pas à nous contacter pour tout ce qui est installation d'options sur Mercedes. Nous proposons également d'autres prestations sur notre site www.forcars.fr.